professeur à l'université de New York, le docteur Boukari Sawadogo, a beaucoup travaillé sur les cinémas africains. Il partage les résultats de ses travaux de recherche dans trois ouvrages qu'il a rendus publics le 29 novembre dernier à Ouagadougou. Les premières impressions, c'est avec Daouda Ouattara et Maïmouna Traoré. Enseignant-chercheur à l'université de New York, Dr Boukari Sawadogo a fait un constat. Le cinéma africain est peu enseigné dans les universités occidentales. Avec ses trois ouvrages, il entend donner de la voix, de l'expression et une existence au cinéma africain dans le cadre des études cinématographiques mondiales. Le premier ouvrage, c'est essayer de lire l'évolution du cinéma africain à travers la représentation de la femme. Le deuxième ouvrage, qui est l'introduction aux études cinématographiques africaines, et c'est un ouvrage, je voulais, un manuel d'enseignement et d'apprentissage du cinéma africain pour les étudiants de première année et de deuxième année, mais aussi un outil pédagogique pour les enseignants. Le troisième, qui est tout simplement les médias d'écran en Afrique de l'Ouest, c'est pour un peu commencer la réflexion du cinéma africain, un peu vers le cinéma populaire, vers le cinéma en tant qu'économie. Pour favoriser la collaboration entre les praticiens et les théoriciens du cinéma en Afrique, il lance ici les ateliers du cinéma africain. Prévus pour se tenir chaque année dans un pays africain, ces ateliers connaîtront la participation d'experts américains.